Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un nouveau vlog. Je suis extrêmement maquillée, je suis habillée. Je vous emmène avec moi, on est actuellement le 24 décembre. Donc quand vous allez voir ce vlog, on est d'accord, les fêtes de fin d'année seront déjà passées. Mais je vous emmène avec moi pour mes fêtes. Alors aujourd'hui, je suis censée aller en Bretagne. Voir une ville, je me rappelle plus le nom. À ce qui paraît, c'est vraiment très mignon, il y a souvent du monde. Donc là on s'est dit un 24, on espère qu'il n'y aura pas grand monde. Il y a plein de petites décos de Noël, donc j'ai très 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 hâte. Il est 9h40, on va partir dans 20 minutes. On a, je pense, une bonne heure de trajet, si ce n'est pas plus. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Oh, je reconnais, c'est la noisette de l'âge de glace. Mais t'es con, hein. On est actuellement le 25 décembre, je vous ai totalement abandonné hier. J'ai un petit peu abusé, je pense, sur la dose de mon maquillage. Mais bon, c'est pas très grave. Alors que je vous explique un peu ma journée d'hier et le programme d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer, j'ai acheté un petit quelque chose. Je vous pose, on discute de tout ça. Je vous ai posé là, la luminosité est pourrite. Je suis désolée pour ça, vraiment. En même temps, je change mes boucles d'oreilles parce que j'ai une de mes boucles d'oreilles qui m'a lâchée. Aujourd'hui même, celle que je mets tous les jours. Donc je suis en train de refaire une autre combinaison. Il faut que je vous raconte ma journée d'hier. Alors en fait on était allé à Rochefort-en-Terre. Je vous ai pas dit parce que je savais pas le nom du tout de la ville. Je vous montre ma petite oreille. J'ai des soucis avec mes piercings encore pour changer. C'est une ville qui passait aux infos, donc c'était en Bretagne. Donc quoi, c'était très beau, illuminé et tout. On est arrivé à 11h du coup hier à Rochefort-en-Terre. Comment vous dire que la plupart des magasins n'étaient pas ouverts. Et les illuminations commençaient quand il allait faire noir. Bah, on s'est fait un peu chier, hein. Soyons honnêtes, parce qu'en fait, c'était un village. C'était pas une ville. Donc, en fait, en une heure de temps, tu as déjà fait
la ville. Donc, on s'est arrêté manger dans un restaurant. On nous a conseillé 3 restaurants. Il y en avait 2 sur 3 qui étaient fermés. Donc, on n'avait pas vraiment le choix. Et on s'est arrêté dans ce restaurant-là. J'ai pris un burger savoyard. Avec, du coup, c'était écrit reblochon, bacon et tout. J'ai eu une demi-tranche de reblochon. Comment vous dire que c'était nul, en fait. C'était nul. Le bacon n'était pas cuit. La salade, on aurait dit qu'ils avaient pris le truc de salade qu'ils avaient mis dans mon burger. Il y avait les frites qui étaient bonnes. Et mon burger était froid. Donc, comment vous dire, j'ai pas extrêmement bien mangé le midi. Sinon, l'architecture, enfin, j'ai beaucoup apprécié la ville parce que j'aime beaucoup l'architecture avec des pierres. Et c'était magnifique. La ville est faite que de pierres, j'avais l'impression. Vraiment, c'était incroyable. Ensuite, bah, là, je commençais à avoir mal aux pieds parce que j'étais en talons. Il était 4h de l'après-midi. Ça faisait. Dans toute la journée, on a fait 7,5 km en talons. Je vous laisse imaginer, sachant qu'il y avait des marches pour monter, pour descendre. Mes pieds étaient dans un état. Donc, on s'est arrêté prendre un goûter, donc chocolat chaud et crêpes, beurre chaud pour moi. C'est en Bretagne. Je m'attendais à avoir une super bonne crêpe. Elle était pas bonne. J'étais très déçue. Non, entre le repas du midi et le goûter, j'avoue que j'ai pas extrêmement bien mangé. On est ressorti, ça a commencé à s'illuminer une demi-heure après qu'on est ressorti. Bon, du coup, on a regardé un peu les illuminations et c'est vrai que bah comme on avait déjà fait le tour de la ville, on est resté une demi-heure et après on est rentré. Et on avait une bonne heure de route, voilà. Et j'ai acheté quelque chose. En fait, mon père a acheté dans un magasin de vêtements un gilet à 105 €. J'ai vu le gilet, j'ai vu le prix, j'étais là. Hein? Pardon, non. Mais c'est pas grave, c'est pour faire vivre les petits villages, donc bon. Et puis bah mon père, enfin il s'achète vraiment très rarement des vêtements et là il était chaud et tout, donc bah il se l'a acheté. 25 € voire 29 € une paire de chaussettes. Je vous avoue que du coup j'ai pas vraiment regardé. J'ai vu un pull qui se lavait à la main en plus, 50 balles. Je me suis dit non, n'abusons pas quoi. Ensuite, on allait dans la boutique qu'on attendait tous que ça ouvre, autant ma sœur, moi et ma mère. Donc on est resté, ouais, je pense une bonne quarantaine de minutes dans la boutique et je suis repartie avec quelque chose. Et au final, ça va être un des cadeaux que ma sœur va me faire pour Noël. Donc je vous montre parce qu'il y a une histoire. Et le doux, le 40 minutes dans la boutique, ça a été une grosse partie à cause de moi. J'ai acheté un petit sapin en bougie. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais du coup, il y a un petit ourson, il y a des petits cadeaux. Il est très joli. Je suis très contente. Que je vous explique, je l'avais vu en vert. Mais je pense que je vous l'ai montré dans mes... Juste avant que vous voyez ce rush-là, j'ai dû filmer la boutique de bougies hier. La boutique était magnifique. Et j'ai vu le sapin vert. Je me suis dit, waouh, il est incroyable. Le souci, c'est que moi, ma déco de Noël, donc là, actuellement, je suis chez mes parents, donc c'est pas moi qui décide de la déco, mais je sais pas si vous vous rappelez aussi, enfin, pour ceux qui me suivent et qui m'ont vu dans mon ancien appartement, du coup, j'avais une déco bois, pour Noël, hein, bois, argent et blanc. Du vert ne rentrait pas dans ma déco du tout et ça ne sera... Enfin, j'aurai pas de vert non plus dans ma prochaine déco de mon prochain appartement. Donc, je pouvais pas la prendre en vert. Ça serait complètement inutile. Je saurais pas où le mettre. Donc, et j'ai vu le blanc. Il en avait qu'un seul. Il a beaucoup de reflets jaunes, je trouve, dans le blanc. C'est très dommage. Mais il reste très beau et il va forcément aller avec ma prochaine déco. Donc, j'ai pris le blanc. Ça a coûté 12 €. Quand même, pour une petite bougie, 12 €. Après, je vais pas la faire brûler, donc très bien. Et j'achèterai d'autres plus tard, des petites bougies, parce que je suis vraiment fan de bougies. Et je sais que j'en aurai plein chez moi, chez mon futur chez moi. Et après, comme je vous ai dit, après l'illumination, on est rentré. Et je vous ai pas du tout repris, parce que tout de suite, on a mangé, on a joué à la belote. On était vraiment que ma sœur, moi, mon père, ma mère. Donc on a mangé les restes de ma vidéo Picard, je sais pas si vous l'avez vu, elle est sortie le 24 décembre. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. On s'est couché vers minuit. Et là, à midi, il y a plus de ma famille qui arrive, donc il y aura toujours mes parents, moi, ma sœur. Et il y aura mon frère, sa femme et ses 2 enfants, donc on attend, on a toujours pas ouvert les cadeaux, là il doit être... Ma montre n'est pas à l'heure, je regardais ma montre mais elle n'est pas à l'heure. Il doit être 11h30, ils arrivent à midi en tout cas. Donc je suis allée déposer mes cadeaux, je vais vous montrer le sapin. Quand je vais vous le montrer, il n'y aura pas tout dedans, mais il y aura déjà les plus gros cadeaux.
Honnêtement, je sais déjà les trois quarts de mes cadeaux. Donc il n'y a pas grande surprise pour moi cette année, mais enfin, je suis très contente parce que j'ai mis plus de budget pour ma famille, donc je suis très contente qu'ils ouvrent tous leurs cadeaux. Et après, foie gras. Non, après on va tous profiter. Je ne sais pas si on sortira aujourd'hui. Et bien évidemment, je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer mes cadeaux. Quelle question. Je vous ai pas montré ma tenue. Donc, un haut que j'ai acheté, je ne sais plus où, mais il y a très longtemps, j'avais déjà mis pour un réveillon ou un Noël. Mon petit pantalon avec plein de poils. Déjà, j'ai décidé de mettre du noir alors que j'ai un chat qui perd tout le temps ses poils. Et je ne sais pas où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à H&M ou Zara. Très bonne question. Je ne sais pas, je l'ai acheté juste avant de partir de La Rochelle. Je vous reprends avec cette lumière totalement catastrophique pour vous montrer un peu mes cadeaux de Noël. Alors, comme premier cadeau de Noël, j'ai eu un bonnet en satin parce que du coup, j'aimerais bien essayer de conserver un maximum mes boucles parce que chaque matin, j'ai plus mes boucles naturelles. Et en même temps, j'ai eu des chouchous, donc j'ai eu franchement presque toutes les couleurs de chouchous. Donc, je vais les mettre à laver demain, je pense. Ensuite, mon plus gros cadeau, quand même très important, j'ai eu des sacs aspirateurs, mais surtout, je sais pas si vous allez pouvoir voir, j'ai eu un aspirateur robot. Donc c'est le Rowenta X-Série 75S+. Donc c'est top pour les allergies et tout. Je l'ai eu à 399 euros. Il était en réduction avec le Black Friday, mais il était aussi en réduction là, juste avant Noël. Donc il a une tour, je voulais un robot blanc. Mais il était beaucoup plus cher, il était 100 euros plus cher alors que j'avais même pas la tour. Attendez, je vous retourne. Donc il est comme ça et en fait ça là, c'est une grande tour. Donc il fait serpillière aussi, donc il va pouvoir se directement se mettre là. Pareil, du coup ça va remplir le sachet. J'aurai pas tout le temps à surveiller que il a assez d'eau ou pas pour faire le plancher. Contrairement au blanc que j'avais vu, il fallait tout le temps que j'aille vérifier et pour 100 euros plus cher. Ça m'embête un petit peu. On se retrouve dans ma chambre parce que la suite est là. Alors, j'ai eu un charme Pandora, mais sauf que je l'ai mis sur mon bracelet, donc il faut absolument que je vous montre mon bracelet qui est tout vide. On commence enfin à m'acheter des charmes Pandora parce que le premier, c'était moi qui me l'avais offert. Donc, mon bracelet se présente comme ceci. Comme vous pouvez le constater, il y en a vraiment très peu. Là, c'est la petite, je sais pas si vous allez la reconnaître, si vous avez la ref, Harry Potter, la base. Je suis trop contente de l'avoir. Franchement, c'est incroyable. Et du coup, j'ai eu celui-là pour Noël. Donc, il est tout simple. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des dorés et argentés sur le site Pandora. Très dommage. Parce que c'est le thème de mon bracelet. Ensuite, j'ai mis le trépied. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, j'ai eu des sous. J'ai eu 20, 30. J'ai eu 30 euros. Et là, j'ai ma séance d'épilation au laser. C'est la quatrième zone que je vais faire. Donc, il me paye mes 8 séances. Donc, beaucoup trop contente. Et en plus, j'aurai un soin de 15 minutes gratuite avec ma carte cadeau. Plutôt sympathique. Moi-même qui me le suis offert. Alors, attendez. Je vais vous montrer après. J'ai eu la suite, je vous avais montré que j'avais acheté Captive, le tome 1. J'ai eu le tome 2 et le tome 1.5. J'ai toujours pas fini le 1, il faut absolument que je me remette à lire. Mais j'avais bien aimé le début, donc j'ai demandé la suite et j'ai eu la suite. Ça c'est mon sapin, donc ça je vous l'ai déjà montré. Et je me suis commandé ça. J'essaye d'acheter des choses utiles. Mais je vous avoue que comme j'ai pas mon chez moi et que mes parents veulent pas stocker tout... C'est pas facile d'acheter des choses utiles maintenant. Donc je me suis acheté des petites pailles comme ça, en verre, plastique vert, je sais pas trop. Des courbées et des droites. Elles sont assez longues. Hein. Non, franchement, je suis très contente. Ça, je les ai achetées sur Amazon. Je pense que je pourrais vous retrouver le lien. Si je l'ai retrouvé, mon lien, je vous le mets dans la barre d'infos. Les séries captives, bon, ça, vous n'avez pas besoin d'un lien. La Zéo, vous n'avez pas besoin d'un lien. Si je vous trouve mon robot, je l'ai acheté à Boulanger. Donc, je vais essayer de vous mettre le lien également en barre d'infos. Le robot, par contre, je vais l'activer pour faire le ménage dans la maison de mes parents. Complètement qui servent. Hein. Comme ça, on vérifie que tout va bien et tout. Ça, je commence en janvier. Beau petit cadeau, je suis très contente. Bonne journée, là ils sont tous dehors. Mes neveux ont reçu des rollers, skate rollers.
Donc ils sont en train d'essayer, on est en train d'essayer de leur apprendre. J'ai trop hâte aussi de faire le nouvel an. Déjà ma tenue, je vais me les cahier sa mère, mais j'ai ma tenue, donc je suis trop contente. Hello, c'est la Noémie du montage qui vous parle. J'ai totalement oublié de vous faire une outro. Et pour être honnête avec vous, j'aurais dû vous emmener sur un autre jour où je vous aurais emmené dans un événement qui se passe dans ma ville. Une exposition et une sorte de marché, pas de marché de Noël, parce que moi j'ai pas vraiment de marché de Noël dans ma ville. Un truc extraordinaire pour les enfants avec une histoire, des décos de Noël incroyables, qui est gratuit en plus de ça chaque année. Et on a voulu le faire le 26 décembre, mais il y avait 3 heures de queue. Donc on a annulé. On va finir cette vidéo avec ça. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et comme la vidéo sort le 31 décembre, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour l'année 2024. On se retrouve dimanche prochain pour la première vidéo de l'année 2024. Et je vous fais plein de gros bisous.